ce qu'il faudrait faire pour la lutte contre, enfin d'abord l'espace digital, comment nous pourrions l'occuper, mais c'est une interrogation qui est régulière, qui est régulière. C'est une interrogation, malheureusement, qui est la nôtre, celle des médias traditionnels que vous êtes, comme celle des pouvoirs publics que nous sommes. Aujourd'hui, une bonne partie de nos compatriotes, notamment les plus jeunes, qui représentent les deux tiers ou plus de notre population, ne suivent presque pas les médias traditionnels. Ils sont essentiellement informés par les réseaux sociaux. Alors, souvent même, quand j'entends même mes enfants me dire « j'ai suivi un élément sur Télé Congo », si vous creusez, il l'a suivi parce que l'élément a été mis en ligne. Et lui, il l'a vu en ligne, mais il n'a pas pris... Bon, ils sont un peu à l'étranger en ce moment. Il n'a pas pris la peine d'allumer Télé Congo, pourtant il y a accès. Il ne va pas suivre Télé Congo. Ou DirecTV, ou VoxTV, ou ce que vous voulez. Il ne va pas prendre la presse écrite, il ne prendra pas les dépêches de Brazzaville, ou le Patriote, le Troubadour, la Semaine, ou tout ce qui existe. Et s'il lit une telle ressource, ou s'il voit une telle ressource, c'est par le numérique. Donc nous devons trouver ensemble le moyen de faire que nous occupions cet espace. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là également, je ne peux pas vous livrer là à l'instant un antidote, un médicament, mais effectivement, nous sommes en train d'étudier aussi les moyens d'atteindre au mieux nos compatriotes, mais c'est une bataille de tous les instants. C'est une bataille de tous les instants. Elle n'est pas seulement liée à la lutte contre les fake news concernant le coronavirus, mais elle est liée de tout temps, parfois à la mauvaise foi politicienne ou autre de certains compatriotes, du dedans comme du dehors, qui souvent trouvent correct, de leur point de vue, de faire circuler des fausses informations tendant à affoler les compatriotes qui sont au pays. Voilà, c'est une question d'éthique, de responsabilité. Bon, il y a des pays, il faut que vous le sachiez, avant de venir dans cette salle, j'ai lu un écho justement sur Internet, je vais dire, un pays étranger vient de procéder à l'arrestation de 95 internautes qui sont reconnus comme coupables d'avoir diffusé dans ce pays-là des fake news. Mais pour que ce pays le fasse, c'est parce qu'il dispose d'outils répressifs qui lui permettent, ces outils-là, d'identifier les contrevenants. Nous avons pris des lois, où elles sont en cours d'adoption, sur la lutte contre la cybercriminalité et pour la cybersécurité. Je crois que le Congo finira par se doter de ces outils qui vont permettre demain de rattraper les délinquants. Alors, là également, il faut qu'on fasse une nuance, parce que l'Afrique a un problème particulier, et vous le savez, beaucoup de ces délinquants ne sont pas dans les pays, dans nos pays. Donc même si vous disposez des outils de répression, ben, si le type est à 6000 km de là, il s'en moque de vos outils. Vous faites comment? Par contre, j'appelle votre attention, à vous les médias traditionnels, dans le cadre du fact-checking, donc la capacité à recouper une information, s'il vous plaît. Faites le nécessaire pour ne pas reprendre sans vérification une information qui serait venue par un mode qui ne serait pas authentifié. Notamment des comptes, parfois anonymes, sur les réseaux sociaux, qui donnent une information, et information reprise par les médias sérieux que vous êtes, diffusée parfois sur WhatsApp et autres réseaux sociaux, pour finir parfois, et c'est ça où j'appelle votre attention, finir parfois dans les journaux, notamment de la presse écrite, et je suis souvent assez attristé de constater certains journaux, pas tous, Dieu merci, dont la pagination à 80% ou 90% vient du net. Donc des informations souvent graves, diffamatoires ou non vérifiées. Mais moi je vous dis, je dis à l'ensemble des médias, attention! Parce que si on ne peut pas atteindre celui qui a publié la fake news qui est à l'autre bout du monde, mais vous qui reprenez, mais vous êtes là. Et si vous reprenez une information, il ne suffira pas de dire le jour où on vous poursuivra en justice, ah ben non, moi j'ai repris sur Internet. Ben oui, mais vous avez repris, vous avez vérifié. Ben c'est vous qu'on va poursuivre, celui qui a mis, on ne sait pas qui c'est. C'était un faux compte, c'était je ne sais pas qui. Donc voilà, j'appelle chacune et chacun d'entre nous, d'abord à ce travail citoyen, qui doit nous permettre déjà, quand on a une information qui arrive, eh bien, de pouvoir l'analyser. Je ne vous ai pas dit, ne publiez pas.
Mais je vous dis, analysez avant de publier. Recoupez avant de publier. Vérifiez avant de publier. Je constate que les grandes rédactions, des grands médias internationaux, ont un service de fact-checking aujourd'hui. Vous voyez même, quand vous suivez les chaînes d'information, et même les journaux de presse écrite du type Libération, les médias du type CNews ou LCI, il y a une chronique, régulièrement, une fois au moins dans la journée, ou quand il y a une information grave qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a quelqu'un qui vient expliquer si c'est vrai ou si c'est faux et qui démontre. Ah non, là, c'est faux, là, c'est vrai. Hier, par exemple, pour votre information, j'ai suivi sur LCI quelqu'un qui avait mis une vidéo en ligne et qui disait que le virus avait été diffusé, celui du Covid-19, par l'Institut Pasteur, qui est un grand institut médico recherche scientifique français et qui a fait une vidéo qui a été vue par 3 millions de personnes. Et hier, donc, sur ce plateau, ils ont démontré que c'est faux. Et l'Institut Pasteur a promis de porter plainte contre le monsieur qui est en France.